Salut à tous, une vidéo qui va concerner Artix comme vous pouvez le voir. Parce que vous savez peut-être, si on regarde sur la page de téléchargement d'Artix et si on va sur par exemple la page JOS-SRC, on s'aperçoit que la dernière image ISO en date date du mois de juin et c'est la base uniquement. Il n'y a plus eu d'image ISO complète de l'XQT depuis le mois de janvier. Je trouvais que ça commençait à faire un peu long parce qu'il y a eu une grosse mise à jour un peu ennuyeuse. Dixit la page d'accueil. Voilà. Donc cette intervention était un peu bip. Et je me suis demandé pourquoi les développeurs n'avaient pas proposé une image ISO à jour pour les personnes qui voulaient installer Artix sans se prendre la tête avec cette intervention manuelle. Aurais-je un jour la réponse? Je n'en sais rien. Bref. Donc, j'ai pris une Artix que vous avez sous les yeux. Je l'ai entièrement mise à jour. J'ai rajouté dessus Firefox pour accéder au wiki nécessairement. Enfin, le wiki nécessaire. Pour générer l'image ISO, est-ce que je vais y arriver? Je suppose que oui. Mais j'ai toujours essayé de générer l'image ISO. Qu'elle soit fonctionnelle après ou pas, ce n'est pas le problème. Je veux toujours générer l'image ISO. Et je vais vous montrer comment générer l'image ISO d'Artix. Je dois dire que le wiki est pas super super à ce plan-là. Donc là, je passe en plein écran par rapport à l'Artix. Donc là, déjà le plein écran. Voilà. Apply. Ok. Donc là, je suis déjà sur... Voilà. Donc, je vais juste réduire la page. Sur la page de Wiki. Vous aurez tous les liens dans le descriptif comme d'habitude. Alors. Voilà. La première chose, donc on va ouvrir un terminal, c'est de récupérer les outils Artix. Donc on va faire un sudo pacman-s Artix. Je vais récupérer les outils nécessaires pour générer des images ISO. Voilà, donc tous les outils développés par Artix, par Artoo, pour tout ça. Donc ça, par contre, cette ligne ne sert strictement à rien, parce que j'ai fait les essais auparavant, c'est la merde. Ce qu'il faut faire, c'est créer un répertoire Artool Workspace. Première chose, c'est de ça. Donc, on va faire un petit CTRL-L, on fait mkdir artools workspace, et à l'intérieur, on va créer un répertoire ISO en majuscule. En majuscule. Voilà. Maintenant, on va copier ce fichier dans config artools, donc je ne vais pas m'ennuyer. Voilà. CP, voilà, et on le met dans tilde.config artools. Voilà, et maintenant il faut aller sur un GitHub pour récupérer les profils. Donc, je récupère le dernier profil. J'ai installé Zip parce qu'il n'est pas préinstallé dans Artix. C'est quand même bête. Là, je vais aller avec le gestionnaire de fichiers. Voilà, j'extrais ça ici. Et je copie tout ça dans le répertoire ISO. Artools ISO. Collé. Voilà. Et on va prendre la version LXQT. Parce qu'il faut créer un profil. Par contre, il y a un point qui m'a fait tiquer, c'est ceci. Note, ces profils ne sont pas maintenus. Bon, pas maintenus. On propose des profils, on n'est même pas sûr et certain qu'ils soient fonctionnels. Bravo. Tout ce que je veux dire, c'est bravo. Bref, peu importe. Et là, on va utiliser la commande build ISO, suivi, espace P suivi dans nos profils, soit base, soit XQT, moins QV. Donc on fait build ISO. Moins P, donc je vais prendre LXQT pour avoir la version totale, moins QV, et on va voir s'il va me répondre des erreurs. Donc, apparemment, il n'y a pas d'erreur. Ok, donc ça c'est bon, ça va être version image LXQT avec OpenRC, avec build ISO. Stability, bon, mais il y a des défauts de frappe.
Ok, donc RTX. Ok. Donc, ce qu'on va faire, je vais lancer la commande. Boum. Et là, il va me commencer à générer l'ensemble. Donc, il est 16h09. Je mets la vidéo en pause et je vous dis rendez-vous dans 20 minutes environ pour la suite. Allez, à tout de suite. Donc 16h27, 18 minutes sont passées et la compilation a pris 16 minutes. J'étais un peu occupé à faire autre chose, donc voilà. Maintenant, je vais brancher cette petite chose, mettre la clé sur la clé USB d'image ISO et la transférer. Voilà, donc je passe en plein écran. Si je mettais sous focus, ça serait mieux. Voilà. Donc maintenant que l'image ISO est générée, on peut la mettre sur clé USB et tenter l'ensemble. USB, voilà. Ok. Et donc on va voir de quelle est la taille de l'image ISO générée. Bon, autant pour moi, je m'étais gouré de taille, on voit. Donc, l'image ISO générée, c'est avec ISO minuscule, mais peu importe. Le résultat est là. L'image ISO fait 812 mégas. Donc, on va la copier. Et on va la mettre sur la clé USB. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'elle sera 100% fonctionnelle? Je n'en sais rien, mais au moins, elle est générée. Voilà, voilà, voilà. Voilà, normalement, dans quelques secondes, l'image ISO sera copiée-collée sur la clé. Ah, je l'ai déplacée. Non, c'est juste une copie, autant pour moi. Donc, ça, c'est bon. On peut... Dans quelques secondes, qu'ils me disent que ce soit OK. Elle finit de copier l'ensemble. Ces dernières secondes qui sont toujours les plus longues. Spécialement avec les clés USB. Donc en gros, il faut compter un quart d'heure pour générer une image ISO. Voilà. Donc là, on va éteindre tout ça. Voilà, ça déjà, cette machine virtuelle va s'éteindre. Donc, j'avais généré une machine spécifique pour faire des tests. Donc, ce que je vais faire, c'est copier l'image ISO, la mettre dans téléchargement, et on va tester cette image ISO. Par contre, comme elle utilise le noyau 4.17, on est obligé de blacklister le module de VBox Guest, sinon, ou du moins au moment où j'enregistre la vidéo, on a un gros bug graphique dans VirtualBox. Oui. Et 852 mégas, on peut se dire quand même que l'ISO doit être bien burné. Si je peux me permettre de parler ainsi. Donc, là, je vais débrancher la clé USB. Voilà. Je vais retourner dans la machine virtuelle, brancher ensemble, blablabla, on est parti.
Donc, déjà c'est bon à ça. Là, je vais passer en plein écran pour la suite des événements. Donc, on va mettre clavier français et langue français. Voilà. Par contre, je vais modifier ceci et je vais rajouter là c'est mode probe. Point. Mais il faut penser par contre, c'est un clavier QWERTY, donc il faut faire gaffe. Blacklist égale VBOX guest. Et là, on appuie soit sur CTRL X, soit sur F10 pour démarrer. Et normalement, ça devrait démarrer. Déjà, on a notre OpenRC 0.38.1. C'est déjà une bonne nouvelle. C'est-à-dire que l'image ISO a été générée à peu près proprement. Donc, est-ce qu'il va nous connecter automatiquement ou pas? Non. Donc, on va taper le mot de passe qui va bien, à savoir Artix. Bien sûr, on n'a pas modifié ça, c'est normal. Et là, je vais passer en plein écran. Outils système. Alors, accessoires. L'ISO est quand même beaucoup plus chargé. On a déjà, enfin, beaucoup plus rempli, quoi. On a déjà Falcon. Par référence, voilà. Apparence. Apparence. Paramètres de l'écran. Voilà. Chaque fois, je me paume dans l'exQT. Voilà. Donc, on va vérifier qu'on est bien sur l'image live. Si on fait un petit uname-a, on a le 4.17.2. Et si on fait lsb-release-a, ok. Donc, on a un noyau qui datait du 16 juin. Donc, c'est quand même pas si mal que ça. Donc, on a Carwright, ok. On a Falcon. Cool. Donc, on doit avoir PCManFM aussi, la version 0.13. Super. Donc, on va essayer de lancer Calamares pour l'installer. Tiens. Est-ce qu'il y aurait un problème avec Calamares? D'accord. Il y a un problème avec les boosts Python. Tiens donc. Est-ce que les boosts Python ne seraient pas installés? Bon, je vais faire un Pacman, moi, SYY. Pour rafraîchir tout. Donc, si je fais un Pacman SS Boost. Ah merde! C'est la version 1.67. Donc, ils n'ont pas recompilé Calamares. Alors, on va essayer de voir si on ne peut pas modifier ça. On va écrire un lien symbolique de la version 1.67. Donc, si on fait. C'est des USR Libus, je pense, oui. Et si on fait ls all boost, boost-python. D'accord. On va créer ça, d'accord. On va faire un sudo ln-sf libboost python 36.so.1.67. On va mettre libboost python 36. C'est pas très propre, mais 1.66.0. Peut-être que ça va me lancer Calamares. Ok, on va tenter de relancer Calamares. Sale bête. Il veut pas me lancer. Libboost Python 36. Ah, saleté. Pourquoi il ne veut pas me lancer? Bon, mais apparemment, on peut générer l'image ISO, mais on ne peut pas générer
Ah, je me suis peut-être gouré. Non, c'est ça, c'est pourtant, oui, c'est ça. Les boosts Python. Ah, je vais essayer de relancer Calamares. Non, il refuse de le lancer. Hein. While loading, shall library. Mais pourtant, je l'ai mise. Les boosts Python 3. Point SO. Ah mince! 3, pas 60. Ah zut! Python 3, d'accord. Je me suis gouré sur le nom. Voilà. Python 3. Peut-être que ça va être un peu mieux comme ça. Il ne m'a pas détecté le disque dur. J'ai pourtant un disque dur. Essayer. Donc je vais voir si j'ai un disque dur qui est détecté. Je vais faire cf disque peut-être. Ben, sudo. Ah mince, sudo calamares. Pas calamares tout court, sudo calamares. Voilà, ça va mieux comme ça. Donc je vais essayer de l'installer. C'est quand même ennuyeux, c'est que Calamares ne soit pas compilé correctement. Fredo Artix. Donc là, je vais laisser l'installation se faire jusqu'au bout. Donc ça sera un peu long, désolé, mais je vais vérifier quand même que tout se passe bien. C'est quand même bête de devoir créer un lien symbolique parce que Calamares n'a pas été recompilé contre la nouvelle version de LibBoost pour Python. C'est mieux comme ça. Donc là, il y en a à peu près pour 3 minutes. Désolé. Désolé, là, ça va être un peu long. Désolé. Bon, alors, est-ce qu'il avance correctement? Alors, celui-là, on peut le faire, mais c'est celui-là. Ok. Blablabla. On est déjà à 26%, donc c'est bon, ça va aller assez vite. C'était plus rapide que je le pensais. Voilà. Donc là, par contre, il y a une petite manip qu'il faudra que je fasse au démarrage avant après de pouvoir redémarrer tranquillement l'article s'installer. Si tout se passe bien. Pour le moment, tout va bien. Allez, on va redémarrer en croisant les doigts et en serrant les fesses. Donc là, je vais refaire comme tout à l'heure. Là, je vais lui mettre en bas un mode probe point blacklist. Là, il faut penser en clavier QWERTY égale VBOX guest F10 pour démarrer. Et on va voir si l'image ISO générée, même si c'était un tout petit peu pété, a installé correctement l'Artix ou pas. Moment de vérité. Alors, bon, mis à part bien sûr que ce message d'erreur, apparemment, ben, j'ai une Artix installée. Ouais, superbe. Donc là, ce que je vais faire, c'est passer l'écran dans la bonne taille. Voilà.
Là, je vais appliquer le contournement pour cet enfoiré de bug avec Vegbox Guest. Désolé, quand on est énervé, ça soulage. Sudo nano, etc. mode probe.d. Blacklist.conf. Voilà. Donc, on fait install Vbox guest bin false. Et on va redémarrer normalement. Et ça devrait fonctionner. Voilà, là je ne touche pas au noyau et normalement je ne devrais pas avoir le bug à tout ce qui est lié à... VirtualBox et son problème de souris qui ne répond plus à l'appel. Enfin, du clic gauche à souris qui ne répond plus à l'appel. À tarte. Désolé, je sais, c'est nul. Bon, sur ce petit truc-là, OK. Et normalement, je peux déplacer. C'est OK. Voilà. Donc, on a bien installé l'Artix avec l'image ISO générée. Bon, mis à part le bug de... De Calamares, ça reste installable. Allez, on arrête tout. Voilà. Là, voilà. Donc, pour conclure, oui, on peut générer une image ISO, mais manque de peau, elle est légèrement pétée. Le contournement est un peu tatillon à faire, il faut faire gaffe un peu. Et on peut tranquillement installer l'image ISO. Le mieux, c'est que l'Artix se sorte un peu, enfin les développeurs d'Artix se décident à sortir les doigts de leur popotin pour proposer une image ISO à jour. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine, ciao!